Salut les compagnons et autres crêpiers du bout du monde. Ben voilà, une petite vidéo de soutien. Vous voyez, là ici, je suis à l'appartement. Donc, ben comme vous, je suis confiné à rester à la maison, hein, tout simplement, parce que je vais devoir, moi aussi, ne pas assurer la formation que j'avais déjà décalée du fait du décès de ma maman. Bah oui, je suis un ERP, établissement recevant du public, donc je vais devoir aussi rester porte close. Mais bon, peut-être moins grave, moins impactant pour moi que pour vous. Quand je dis pour vous, tous ceux qui sont installés et qui doivent garder rideau fermé. De toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est effectivement prendre son mal en patience, d'être confiant sur l'avenir, parce que bien sûr que l'humanité va continuer. Est-ce que ces mesures sont un peu trop fortes, etc. J'en sais strictement rien, puis j'en ai pas du tout les capacités pour prendre position là-dessus. Maintenant, effectivement, c'est peut-être aussi une occasion unique, une unique, il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu que celle-ci, mais de peut-être de réagir et de voir un mode opératoire de consommation pour chacun d'entre nous qui serait peut-être plus raisonnable, mais j'ai bien peur que là aussi, chasser le naturel, il revient au galop et que quand tout ira mieux, on continuera à consommer comme des cons. Voilà, donc en fait, je voulais faire cette petite vidéo de soutien parce que je sais que pour certains, ça va être très compliqué, pour ceux qui démarraient en termes de trésorerie, etc., en espérant que les promesses dites dans nos chers écrans de télévision soient tenues pour aider les entreprises, petites, grandes, etc., à tenir le coup et à ne pas se retrouver la tête sous l'eau. Maintenant, effectivement, c'est l'humain qui compte dans ce truc-là, et en espérant qu'effectivement chacun puisse retrouver ses petits à l'issue de cette pandémie. Voilà, donc moi aussi, évidemment, vous l'avez compris que ça chamboule un peu mon travail. Donc, ce qui veut dire que la formation du mois de mars, qui avait déjà été reportée de 8 jours du fait du décès de ma maman, fait que elle devait se dérouler là prochainement du 18 au 20. Eh bien, elle est annulée. Donc, tout le monde est prévenu, bien sûr. Et puis, nous la reporterons dès qu'on aura le feu vert, on ira. Concernant la formation du mois d'avril, qui est du 14 au 16, qui est complète aussi, hein. Pour ceux qui veulent se former, ben, il faut penser maintenant sur les formations inter en mai et juin. Je ferme le parenthèse, c'est pas ce que je voulais parler, mais pour l'instant, cette formation du mois d'avril, du 14 au 16, donc on change rien en espérant que tout revienne à la normale entre-temps. Et ben sinon, on glissera un petit peu puisque c'est la vie qui est comme ça. Voilà, donc tenez le coup, portez-vous bien, faites attention à vous. Voilà, cette petite vidéo pour dire tout simplement que je pense bien à vous, mes chers compagnons, et puis prenons notre mal en patience. Et puis, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de vous exprimer, vous connaissez mon mail, vous connaissez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, bien sûr, puisque je vais continuer à travailler, même si je ne peux pas partager ce que j'aime, c'est-à-dire de vous apprendre à faire des bonnes choses, puis à vous donner des idées. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on continue. Et puis, mais je voulais vous dire que j'étais vraiment de tout cœur avec vous. Voilà. À très bientôt. Salut, c'était Patrick. Sur son canapé, c'est la vie. Allez, salut. Ah si, rappelez-vous. Non, c'est une connerie. J'allais dire que seul le sarrasin sauve le genre humain, mais c'est vraiment une connerie. Allez, bye bye. Ciao.